148e apparition. Le bienheureux Jean Massias, frère convert de l'ordre de Saint-Dominique, avait une grande dévotion aux âmes du purgatoire. Souvent, il passait la nuit à prier pour elles devant une image de la très sainte Vierge. Ces pauvres âmes lui apparaissaient en grand nombre, le suppliant d'avoir pitié de leurs souffrances. « Serviteur de Dieu, lui disait-elle, souviens-toi de nous. Ah, ne nous oublie pas devant Dieu. Délivre-nous des tortures que nous endurons. » « Que puis-je faire, âme bénie ? » leur répondait-il quelquefois. « Que peut faire un misérable pécheur comme moi ?» Alors, elle le priait d'offrir à Dieu, pour elle, ses nombreuses prières, ses jeûnes, ses pénitences, surtout les communions qu'il recevait et les messes auxquelles il assistait. Le bienheureux redoublait alors ses bonnes œuvres et ses prières. 20 fois par jour, il courait à l'église implorer la miséricorde de notre Seigneur, pour elle. Il se faisait presque mourir par toutes les pénitences qu'il pouvait imaginer afin de souffrir à leur place et d'abréger leur purgatoire. Ces pauvres âmes se montraient reconnaissantes de ce qu'il faisait pour elles. Lorsqu'elles avaient obtenu de Dieu leur délivrance, avant d'entrer dans la gloire, elles venaient le remercier et l'assurer de leur bonheur. Leur joie était alors sa plus douce récompense. Ces jours-là, il était heureux. Mais d'autres accouraient réclamer son intercession et il recommençait pour elles avec un admirable courage. Au moment de sa mort, son confesseur l'obligea de lui dire combien il avait délivré de ses pauvres âmes. Il avoua que leur nombre s'élevait à 1 400 000. Quel cortège pour ce bon frère convert quand il monta au ciel. Quelle belle couronne dut être la récompense de tant de charité. Imitons la dévotion de ce pieux frère envers les âmes du purgatoire. Nous en serons magnifiquement récompensés en cette vie et en l'autre, surtout si nous avons un long purgatoire à subir. Elles nous rendront alors au centuple tout ce que nous aurons fait pour elles. Avec quel ineffable bonheur nous recevrons leur assistance quand les terribles feux de l'expiation nous dévoreront.